Donc, maintenant, question 5 de i. Il est dit, donc, dans cette question d'établir l'expression du Hamiltonien HPR, H de PR epsilon, et de déterminer la nature du portrait de phase dans le plan epsilon PR. Bon, on nous donne une indication de faire le développement limité à l'ordre de 2 RK qui est égal à R carré, 1 plus epsilon sur R qui est égal à, à peu près R carré facteur de 1 plus 2 epsilon sur R plus epsilon carré sur R. D'accord? Donc là, avant de faire ça, on avait h. L'expression de notre hamiltonien, c'était pr carré sur 2m plus carré sur 2mr au carré plus a r. Donc c'était notre expression. C'est l'expression qu'on a déjà donnée. Donc ici, comment déterminer l'expression de notre hamiltonien h de pr epsilon? Bon, il suffit juste de faire un petit, un petit développement limité de 1 sur r au carré. Donc d'abord, 1 sur r au carré, c'est 1 sur r plus epsilon. Au carré. Bon. Rappelez-vous qu'on pose ici R égale à R plus epsilon. D'accord Donc je vais faire la même technique. Je vais factoriser ici par R carré. Donc 1 sur R carré facteur de 1 plus epsilon sur R. Tout cela au carré. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais utiliser cette indication. Donc d'ailleurs, bon, il faut savoir que cette indication n'est pas nécessaire. Normalement, il faut savoir ce développement limité, mais ce n'est pas un problème. Donc, je vais dire que cette quantité égale à peu près 1 sur. Il est dit que R carré est égal à peu près. Tatatata. Donc, c'est R carré 1 plus 2 ε sur R plus epsilon carré sur R au carré. Donc, on vous a déjà donné cette indication. Donc là, ce qu'il faut faire, donc R carré c'est une constante. Bon, on va laisser ce R au carré tranquille. Et tout simplement, on va voir cette quantité qui tend vers 0. D'accord Bon. J'espère que vous savez déjà que 1 sur 1 plus H, avec H très petit, c'est à peu près 1 moins H plus H. Ok, donc euh, le développement euh, à l'ordre 2. Voisinage de 0. Celui-là est envers 0. Bon, on peut faire la démonstration si vous voulez. Mais bon. Euh, bon c est, il est égal à peu près ça. Bon, la démonstration c'est très simple. Il suffit juste d'utiliser le développement de Tyler et, et vous allez obtenir ça. Bon, ce, ce n'est qu'un calcul de dérivés, etc. C'est très simple. Donc c'est ce que je vais utiliser. Je veux dire que cette quantité, elle est à peu près égale. À 1 sur r au carré, d'accord? 1 moins h. Donc en pause, donc ici je vais écrire en pause h égale 2 ε sur r plus epsilon carré sur r au carré. D'accord? Donc c'est 1 moins h plus h au carré. C'est-à-dire que c'est 1 moins 2 ε sur r moins epsilon carré sur r au carré plus h au carré qui est 2 ε sur r plus epsilon carré sur r au carré, tout cela au carré. C'est très simple. Donc là, après ça, ce qu'on va faire, on, on, donc ici euh, on ne va faire euh, que les développements à l'ordre 2. Donc ici je ne vais garder que l'ordre 2. Donc pas la peine de faire tous les calculs. Donc je n'ai gardé que l'ordre 2. J'ai ici 2 epsilon sur r plus epsilon carré sur r au carré. Donc l'ordre 2, c'est tout simplement 4 epsilon carré sur r au carré. C'est tout. Donc égal à peu près 1 sur r au carré, 1 moins 2 epsilon sur r, moins epsilon carré sur r au carré plus 4 epsilon carré sur r au carré. Bon, c'est plus 3 epsilon carré sur r au carré. Donc je viens de faire ce développement. Donc H devient H égale PR carré sur 2m plus pθ carré sur 2m. N'oubliez pas r au carré. Facteur de 1 moins 2 ε sur r plus 3 epsilon carré sur R au carré, plus A, ce R c R, plus epsilon. Donc là, je vais euh, calculer ça. Donc j'ai PR carré sur 2M. Ici vous avez p theta carré sur 2 mr r carré avec 1 donc je vais écrire ça d'accord donc ça c'est une constante avec cette autre constante plus a sur r après on va appeler ça 0 mais c'est pas un problème c'est une constante ici j'ai p carré sur 2 mr r carré avec 2 epsilon moins euh, fois moins 2 epsilon sur r je vais avoir p carré sur M R à la puissance 3 qui est A. Donc je vais avoir euh, euh, moins A epsilon. Avec ce A epsilon, ça va disparaître. Donc on comprend pourquoi on a besoin du deuxième ordre. On fait le développement au deuxième ordre. C'est pour cette raison. Si vous avez fait le développement au premier ordre, vous n'allez pas avoir d'epsilon. Vous allez dire que h égale ça. Vous n'allez pas avoir d'epsilon. C'est pour cette raison qu'on fait un développement au deuxième ordre. Si par hasard le deuxième ordre aussi disparaît, il faut, faire, il faut, il faut donner le troisième ordre. Etc. Etc. Donc. Euh, et il me manque ce cette quantité avec cette quantité qui est 3 p theta carré epsilon carré sur 2 mr r à la puissance 4 voilà donc cette quantité bon je vais tout simplement utiliser p carré sur euh, euh, m r à la puissance 3 est égal à donc n'oubliez pas ça D'après l'exercice, <laughs> c'est pas qu'il faut apprendre ça, mais d'après euh, cet exercice, on a déjà vu ça. Donc, ici j'ai R3, R, d'accord, donc, euh, bon, ça c'est 3 sur 2. 3 sur 2, euh, A sur R, epsilon au carré. Donc le H, finalement, égal donc on trouve que H, c'est, PR carré sur 2M plus 3A sur 2R et psilon au carré plus cette quantité qui est une constante qu'on va appeler E0. Plus E0. Et ça, c'est l'énergie mécanique. Bien sûr, c'est Elle est conservée. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Donc il est dit et déterminé à la nature du portrait de phase. Ce que je vais écrire, donc j'ai PR carré sur 2M plus 3A sur 2R epsilon carré égale. A E moins E0. Est-ce que vous sentez quelque chose? Eh oui, on sent une ellipse. Donc je vais directement faire pr carré sur alpha carré plus epsilon carré sur bêta carré est égal à 1, avec alpha carré c'est deuxième fois e moins e0 et Bêta carré c'est 2r sur 3a E moins E0. Bon je fais directement parce que c'est très intéressant de faire directement pour ne pas toujours faire des calculs comme ça, pas euh, comme ça bêtement. Il faut, il faut faire des fois des calculs des, euh, des calculs mentaux et utiliser l'intuition. Donc maintenant le portrait de phase. Donc le portrait des phases de phase des phases le portrait maintenant de phase donc ce qu'on a là on a PR on a r ici j'ai J'ai... Euh, non, 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 désolé, j'ai epsilon ici. D'accord, désolé. Alpha, bêta, moins bêta, moins alpha. Il s'agit tout simplement d'une ellipse. Donc ça, par exemple, pour une certaine énergie E1. Pour E égale à E0, je vais avoir alpha égal à 0, bêta égale à 0. Je vais avoir ce point-là. Pour ce point, on a un mouvement circulaire. On a déjà vu ça précédemment. On avait epsilon égal à 0. C'est le mouvement circulaire qu'on a déjà vu précédemment. C'était un point. D'accord Donc, pour différentes énergies, vous avez des ellipses. Vous avez des ellipses, d'accord Bon, j'espère que que cet exercice est bien clair. Merci pour votre attention. Donc c'était c'était un portrait de phase très simple, mais des fois, si vous avez le chaos et tout cela, donc il nous faut une machine pour déterminer notre portrait de phase. Merci pour votre attention.